ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حديث كي rapporté par l'imam مسلم سورة أبو هريرة رضي الله عنه. Il rapporte que le prophète صلى الله عليه وآله وسلم a dit: quand le serviteur décède, dans une autre version, quand le fils d'Adam décède, ses bonnes œuvres s'interrompent, sauf dans trois cas. Une aumône dont les bénéficiaires continuent à tirer profit, un savoir dont on continue à bénéficier, ou un enfant pieux qui invoque Allah en sa faveur. La première catégorie et la première œuvre est l'aumône continue, l'aumône dont les bénéficiaires continuent à tirer profit. La seconde œuvre et le second cas des œuvres qui continuent après sa mort, qui ne sont pas interrompues, c'est le cas du serviteur mentionné dans le hadith qu'il lègue un savoir dont les gens tirent profit après sa mort. La troisième catégorie et la troisième œuvre qui est mentionnée dans ce hadith, c'est un enfant pieux. Et il invoque Allah tabaraka wa ta'ala du fait de cette piété pour son géniteur. Il faut savoir aussi que quelqu'un peut réunir entre tous ses bienfaits en un. Plusieurs conséquences heureuses peuvent se concrétiser dans une seule et même chose. Comme le cas d'une personne qui a laissé derrière lui un enfant pieux et en plus c'est un savant de l'islam. Ce père, il a déployé tous les efforts nécessaires pour lui, pour l'éduquer dans la piété et en plus pour lui enseigner la religion. Donc, cet enfant pieux, savant, pourra être utile pour lui dans tous ces domaines-là. Car c'est une science qu'il a laissée derrière lui et c'est un enfant pieux qui invoque Allah, tabaraka wa ta'ala. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.